Ça va, toi? Oui, ça va. Est-ce que c'est possible d'être chrétienne, beau, belle, parce qu'on est tous beaux en Christ, attention. Amen. Et de se marier aussi vierge? Bah oui, apparemment. Apparemment? Oui. T'es sûre? Certaine. Alléluia. Donc là aussi, bientôt, tu vas te marier, là? Oui, l'année prochaine. L'année prochaine. Tu es amoureuse, hein? C'est la moindre des choses. Alléluia, gloire à Dieu. Depuis que je la connais, depuis des années, elle est restée pure pour son Dieu. Elle s'est accrochée. Elle s'accroche. Les conseils que l'on vous donne là, des réunions des jeunes, tout ça, elle était là, participant, s'accrochant au Seigneur. Et les hommes venaient. Non. Non. Elle est restée pure. Et là, l'année prochaine, mariage, il y a un jeune homme qui est venu, un frère que beaucoup connaissent. Je pense que l'annonce a déjà été faite. Hein. Non? L'annonce où? L'annonce par rapport à ton mariage, par rapport à tes fiançailles, tout ça. Là. Ici? Non? Non. Elle n'a pas été faite encore? C'est pas la peine. Ah, ben c'est pas la peine, si, c'est pas la... ça vaut la peine quand même. Moi, j'aime bien la famille, comme la parole le dit. Qui connaît Déo? Posanayo, Posanayo, Yesu. Posanayo. Tu connais Déo, hein? Eh ben c'est son futur mari. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, c'est une grâce. Elle est restée pure, elle est restée vraie, elle est restée avec Jésus. Et Dieu lui a donné un frère qui craint Dieu, qui craint beaucoup le Seigneur, qui, mes amis, a une grâce par rapport à la musique, piano, chant, et aussi, Dieu l'a béni. C'est un frère qui est avocat, hein, et qui sert le Seigneur. Et les deux, vous voyez, ils vont servir le Seigneur. Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes alors qui sont... Je ne sais pas. Je sais que tu n'aimes pas trop le micro, mais bon. Ben, ça sera le conseil que vous avez eu un peu toute la journée. C'est surtout de vous accrocher. Que ça peut arriver qu'on tombe, mais surtout, c'est de ne pas rester à terre et de se relever. Et que c'est possible que malgré les tentations, parce qu'il y en a tous les jours, de marcher avec le Seigneur et de rester ferme dans ses convictions. Que ce soit face aux amis, face à la famille, face à l'entourage. Parce que moi, je ne les fais pas, mais j'ai quand même plus de 30 ans. Et j'ai eu, dans ma famille, on m'a dit, oui, ben, va t'asseoir dans un bar et tout, pour qu'on puisse rencontrer quelqu'un. Même ma grand-mère est arrivée à me dire, mais tu ne sais pas draguer et tout, comment ça se fait que tu ne ramènes personne? Que je suis, même les frères et sœurs en Christ, je fais la difficile et tout ça, etc. Et donc c'était un peu dur quand même, parce qu'on est quand même humain et qu'on est fait aussi de chair. Mais je me suis accrochée au Seigneur et à sa fidélité, parce qu'il reste fidèle en tout temps. Et voilà, il récompense. Waouh. Et là, il est galant, il a demandé ta main. Il était, vous étiez tous les deux en Guadeloupe. Et le frère galant, mes amis, jamais. C'est rare de voir un Congolais galant comme ça. Là. C'est pour ça que j'avais peur avant. C'est pour ça que t'avais peur, parce que pour toi, les Congolais, oh, elle était un peu raciste. Hein. Pourtant, c'est ma fille de la foi, hein, mais... Bon, et le frère arrive avec son alliance, il fait ça. Oh lolo, c'était ça, non? Oui. Ouh, tout ce qu'elle aime. Non, mais c'est beau, Jésus, c'est... Un homme qui va la garder, qui va la protéger, qui ne va pas la tromper, parce que je le connais quand même, ce frère. Tonton de haut, il est sérieux, tonton de frère. Ah ben, gloire à Dieu. Ben, voilà. Oui, voilà, mais après aussi... Dieu travaille le caractère. Oui, voilà, c'est ça. C'est important de prendre le temps, parce que Dieu travaille le caractère. Ben, tu as travaillé aussi, là. Oui, complètement, parce que regarde, si je me marie avec, c'est que les barrières sont un peu Donc là, en plus, tu vas être congolaise. Ben Ben oui. Tu auras la nationalité congolaise? Non, je reste antillaise et française. Ben, congolaise en plus, mais attends, quand même. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à... Et les deux deviendront... Donc lui, il devient aussi antillais. Voilà. Et toi aussi, congolaise. Eh ben, c'est une grâce. Donc ça fait Antilles, Afrique, l'Europe. Oh, quelle grâce. Le Seigneur est magnifique. Voilà. Alléluia.